Bonjour, donc je vais vous faire un petit effet avec un tour de petit paquet qui se fait seulement avec des cartes blanches et il y en a 4. On dirait un taliban. Je vais vous montrer ça. Quand j'ai 4, c'est seulement 4. Je vais vous les montrer une par une, 2, 3 et 4. Et si je les montre d'un côté, je voulais également les montrer de l'autre. J'en ai vraiment que 4. On va faire une petite expérience avec ces cartes-là. Regardez, si je pose une petite gommette ici. Vous allez voir ce qui peut se passer, c'est des cartes assez magiques. Si je perds la gommette quelque part en fait dans les cartes, automatiquement, bon là, comme vous pouvez le voir, il y en a une. Mais si on attend un petit peu, elle peut se multiplier. Hop, ça y est, c'est fait. Et là maintenant, j'en ai 2. Ce qui est fou, c'est que si on attend un petit peu, il peut en avoir 3. Et ça marche. Il en manque une. Mais il en manque une. Elle est ici. Vous voulez qu'on la fasse apparaître? 1, 2, 3, et ça marche. Ce qui fait que maintenant, on a 4 gommettes. Je vais laisser une carte avec une gommette ici, et bien sûr nos 3 autres gommettes. Je vous le montre, 1, 2 et 3. Par contre, si je prends magiquement une gommette et que je la fais voyager, on peut s'apercevoir qu'en fait elle disparaît. Quand je dis qu'elle disparaît, c'est qu'elle n'y est vraiment plus. Mais on peut prendre une deuxième et la faire également voyager. Et puis la dernière, la faire voyager aussi. Plus rien. Plus ici. Plus là. Par contre, ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, elles ont voyagé directement sous celle-ci. Joli. Bizarre quand même. Hein ouais, bizarre. Donc voilà, un tour de petit paquet, franchement, que j'aime bien. C'est vraiment très très joli et hyper bluffant.